D'après le slogan publicitaire, c'est l'endroit le plus joyeux et magique sur Terre, Disney World à Orlando. Mais derrière les sourires de Mickey et les attractions, se joue une bataille sans merci. Voici l'histoire d'une guerre entre l'une des plus influentes compagnies au monde et l'État de Floride, une guerre culturelle qui fracture l'Amérique. Tout démarre avec le vote d'une loi au Parlement de Floride qui interdit aux professeurs de l'État, jusqu'en CE2, d'évoquer l'orientation sexuelle ou l'homosexualité. Disney, qui a ces dernières années renforcé tous ses messages vers la diversité et l'inclusion, monte au front et condamne publiquement cette loi avec le relais de ses acteurs, comme l'un des héros de la franchise Star Wars. C'est une loi absolument ridicule et insensée. Et j'espère que tout le groupe Disney va s'y opposer avec toute sa puissance. Riposte du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un proche de Donald Trump, il révoque le statut spécial du domaine de Disney World qui, depuis plus de 50 ans, lui accordait autonomie et allègements fiscaux. Cet État est gouverné par l'intérêt des citoyens de Floride et pas par les exigences des dirigeants d'une société californienne. Dans la circonscription de Cap Canaveral, nous rencontrons le parlementaire Randy Fine. C'est l'un des initiateurs de la loi. C'est peut-être pas sanglant, mais c'est quoi? C'est une bataille de civilisation? Ah, c'est une guerre. Ici, aux États-Unis, nous sommes en guerre pour nos enfants. Nous, nous pensons que l'école est faite pour leur apprendre à écrire, à lire, enseigner les maths, les sciences. Mais d'autres gens croient que l'école est là pour endoctriner, laver le cerveau des enfants sur la théorie du genre, la politique, et leur dire quoi penser, et non pas apprendre à penser. Mais cette professeure des écoles, homosexuelle, réfute catégoriquement l'idée qu'elle endoctrinerait ses élèves. Sur la question d'endoctriner, je peux vous montrer ce que j'enseigne à mes élèves. Ça n'a rien à voir avec ce que ces gens imaginent, comme les forcer à devenir homosexuels. Mais il n'y a rien de tout ça dans nos programmes. Pourtant, depuis le vote de la loi, son quotidien a bien changé. Elle se sent sous surveillance. On m'a dit, retire la photo de toi et de ta compagne sur ton bureau. Ne montre aucune photo sur ton téléphone. Ne parle à personne de ton homosexualité. J'ai l'impression d'être forcée à retourner me cacher dans mon placard. Quelles pourraient être les conséquences si on voit ces photos, par exemple? Tout simplement, je pourrais être virée. Ces crispations dépassent le cas de la Floride. Au New Jersey, ses parents s'inquiètent du programme d'histoire qui aborderait trop en détail les déportés homosexuels dans les camps nazis. L'homosexualité n'est qu'un élément de la bataille culturelle partout aux États-Unis. Ailleurs, comme ici en Géorgie, des parents se rebellent parce qu'ils pensent que l'école enseigne une relecture trop à charge de l'histoire. Si vous enseignez qu'en tant que blancs, nous sommes nés oppresseurs, alors vous abusez de nos enfants. Au Kansas ou au Tennessee, des livres sont interdits dans les écoles et bibliothèques, comme Mouse, une bande dessinée sur l'Holocauste, officiellement à cause de scènes de nudité. Banni également la toile de Charlotte, un roman pour enfants. Certains parents conservateurs reprochent au personnage de l'héroïne d'être trop garçon manqué. Les débats sont houleux dans les parlements locaux. Alors si vous retirez ces livres des bibliothèques, vous allez en faire quoi? Je ne sais pas, mais moi je les brûlerai. À la télévision et sur les réseaux, les campagnes conservatrices accusent les progressistes d'infecter les écoles, jusqu'à la déclaration de ce candidat au poste de sénateur. Je cite Richard Nixon, « Les professeurs sont l'ennemi ». Pour le grand sociologue américain James Davison Hunter, ces réactions sont l'œuvre d'une partie de la population qui se sent cernée par l'idéologie progressiste. Les progressistes ont réussi à dominer toute l'industrie du divertissement, de la communication, des technologies. Et assurément les universités. De leur côté, les conservateurs n'ont plus aucun contre-pouvoir dans les grandes institutions culturelles de la société. Alors la seule arme qu'il leur reste, c'est le système politique. La droite conservatrice américaine veut faire de cette bataille culturelle
un référendum contre Joe Biden lors des prochaines élections législatives de mi-mandat en novembre prochain. Et cette stratégie semble pour l'instant réussir. Joe Biden n'arrive pas à faire passer ses réformes et les sondages s'annoncent mauvais pour la gauche démocrate américaine.